Muy buenas tardes, bienvenidas, Bonjour, je marhaba. vous souhaite la bienvenue. Esperamos que estén bien en esta 17ª que vous soyez bien installés pour écouter cette conférence qui est la Aula dernière Arabe conférence de notre programme École Arabe Universitaire. Il s'agit d'un programme interuniversitaire qui a lieu chaque année et qui est organisé par Casa Arabe avec la collaboration des universités de la région de Madrid. C'est un programme qui est en plus ouvert à d'autres universités espagnoles et aujourd'hui, il est organisé avec la collaboration du Master universitaire des sciences des religions de l'Université Complutense de Madrid, et représenté par le professeur Mohamed Dahiri, qui est professeur du département des études arabes et islamiques, ainsi que chercheur de l'Institut universitaire des sciences des religions. Je voudrais rappeler les étudiants que, comme d'habitude, vous devez vous enregistrer sur le chat, sur YouTube, et donc vous devez mettre votre nom ainsi que le programme que vous suivez. Voilà. La séance d'aujourd'hui a comme titre « Le Coran et les grandes illusions de lecture ». C'est une session très particulière. C'est notre fermeture idéale pour cette série de conférences. Le professeur Dahiri a présenté, et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu ce programme d'école universitaire. Et le professeur Dahiri avait proposé de donner aux universités, au programme, pardon, des licences des différentes universités avec lesquelles on travaille, eh bien, de leur donner l'opportunité de présenter des propositions, de nous proposer non seulement des sujets, mais aussi des orateurs. Et donc, je voudrais remercier tout particulièrement le professeur Dahiri de nous avoir proposé l'orateur étoile d'aujourd'hui, ce grand écrivain et philosophe tunisien qui est le professeur Youssef Sedik. Le professeur Sedik est spécialisé en grec, dans la Grèce antique et l'anthropologie du Coran. Je vais d'ailleurs dans quelques instants donner la parole à monsieur Dahiri pour présenter l'orateur, mais je voudrais tout d'abord remercier tout particulièrement le professeur Sedik de sa présence et lui donner la bienvenue à cette session. Le professeur parle dans ses travaux de la contradiction qui existe entre la légibilité difficile du Coran en termes de lecture et pour ceux qui connaissent le Coran, ils savent très bien qu'il pose un grand défi, que la lecture du Coran pose un grand défi. Eh bien, le Coran, il est présenté comme un texte sacré, comme un message du ciel. Et cette difficulté de lecture entre en contradiction avec le fait que le Coran commence par une ordre, l'ordre de Iqra. Lisez. Et le professeur va nous parler en profondeur de ces difficultés de lecture. Donc, je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que c'est lui le spécialiste. Mais simplement, je voudrais dire que les contradictions s'explique par la réorganisation du texte sacré et la complexité de sa lecture pourrait être due d'une grande mesure à l'intervention humaine. Donc à l'édition postérieure qui a été faite du texte sacré et qui a finalement été organisée avec un ordre différent. Qui répond, cette réorganisation répond à des critères plutôt politiques qu'autre chose. Voilà, c'est tout de ma part. Je voulais simplement faire une brève introduction du sujet, puisque
nous sommes accompagnés d'un grand expert. Mais maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Dahiri qui va nous présenter l'orateur. Et je voudrais rappeler tout le monde qu'après avoir écouté l'intervention du professeur, nous aurons un peu de temps pendant lequel vous pourrez poser vos questions que vous pouvez aussi nous poser par le chat. Mohamed, vous avez la parole. Muchas gracias, Karim, a ti, por supuesto, a Casa. Merci, Karim. Merci à Casa Arabe et à son programme École universitaire arabe de nous accueillir ce soir. Cette séance nous donne l'occasion d'arriver à un public plus large et notamment aux étudiants des licences, masters et doctorats des universités de Madrid ainsi que d'autres universités en Espagne. Je suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir mon cher et apprécié ami, le professeur Sédic. Nous avons essayé de l'avoir à maintes reprises, mais ce n'était pas possible. Mais finalement, et on peut au moins l'écouter. Et on espère que très bientôt, on pourra l'inviter pour donner une conférence lorsque les conditions le permettront. Et j'espère que ce sera possible bientôt. Et si je devais vous expliquer la trajectoire académique du professeur Sédic, j'aurais besoin d'un temps trop long. Il est un grand spécialiste, professeur de philosophie islamique de l'Université Paris 3 et aussi de l'École des hautes études en sciences sociales. Il a aussi été directeur d'une maison d'édition spécialisée sur les travaux pour les jeunes. Il a écrit pour le journal La Presse. Il a des traductions parmi lesquelles se trouvent donc des traductions de livres publiés en France. Par exemple, L'Édit du prophète Muhammad, publié par Actes Sud en 1999, ou Le Coran, autre lecture, autre traduction, et publié par la maison d'édition L'Aube en 2005. Nous n'avons jamais lu Le Coran, publié par la maison de L'Aube en 2004. Et finalement, j'aimerais citer Unissons-nous, Le Printemps des Indignés, publié aussi par la même maison L'Aube en 2011, et avec un préface de Stéphane Hessel. Le professeur a essayé de publier une édition du Coran de 7 volumes en format bande dessinée et qui a été bloqué par les autorités religieuses tunisiennes en 1992 dans un contexte politique délicat, surtout par l'influence de courants religieux algériennes. En 2001 et 2005, il a dirigé 2 documentaires pour la chaîne Arte sur le prophète Mohammed et sur la jeunesse des 3 monothéismes respectifs. Je voudrais aussi rappeler que le professeur Youssef Sédic est docteur en anthropologie de l'université dans laquelle il a fini par donner des cours, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales. Estudios y investigaciones en filosofía. Je voudrais mentionner ses recherches en philosophie, littérature, civilisation. Il a d'ailleurs fait des études de philosophie, littérature et civilisation à la Sorbonne à Paris.
Et cette conférence est simplement un résumé des recherches réalisées par le professeur pendant de longues années. Et comme Karim a dit dans son introduction, le professeur souligne la contradiction qui existe entre la difficulté de lecture du Coran et le fait qu'il soit présenté comme un texte en provenance du Dieu et qui commence, selon ses gardiens, avec l'ordre écrit. Et de cette façon, revendique que ceux qui... Le professeur revendique que ceux qui ont proposé le livre comme un livre qui venait directement de Dieu et donc qui était le fondateur d'une nouvelle religion monothéiste qui ramassait les deux religions précédentes et donc les déclarait nulles, eh bien, ceux qui ont proposé cette lecture ont bloqué le Coran, l'ont considéré comme un corpus qu'on pouvait uniquement réciter. Et à partir de ce moment, le contrat de légibilité n'était pas compromis, n'était pas un contact, une relation entre la divinité et les destinataires, c'est-à-dire nous tous, mais c'était plutôt un contrat entre les destinataires du Coran et les autorités et les techniciens, c'est-à-dire les autorités politiques qui ont organisé les codes, ces codes de lecture et l'écriture donc du texte ainsi que la diffusion et l'orientation sémantique. Et finalement, ils ont recréé des normes préétablis qui ont reçu une influence très forte du moment historique dans lequel le livre a été constitué, c'est-à-dire la complexité de lecture du livre sacré se réduit dans une grande mesure à l'intervention humaine et lorsque le Coran a été mis à l'écrit. Alors, ce que nous avons appelé la pensée que Averroès avait entamée et qui a continué par les grands penseurs arabes historiques, eh bien, elle a trouvé, elle a été continuée par d'autres penseurs du Maghreb musulman, Mohamed Abdel Jabri et d'autres illustres penseurs postérieurs. Et c'est tout en guise d'introduction. Et je voudrais maintenant donner la parole au professeur qui va approfondir ces aspects que j'ai ébauchés et va nous parler des résultats de ces recherches innovatrices et qui complète en grande partie le travail précédent d'autres penseurs. Et je parle de penseurs. C'est ce concept spécifique de la pensée islamique. Et je suis sûre que nous allons beaucoup apprécier cette conférence. Merci beaucoup, professeur Sédic, encore une fois. Et vous avez la parole. Merci. À la traductrice d'abord et à mes deux collègues, mes chers amis, Monsieur Karim et Si Mohamed Bahiri. Je vous remercie pour ces présentations vraiment généreuses et élogieuses et précises en plus. Je tiens d'abord pour ceux qui ne suivent pas l'histoire de l'islam, en quelques minutes, dire le contexte. L'islam a été fondé par un texte qui réunit les deux actes humains, l'acte de compréhension, de rationalité, et l'acte de croire. Il fallait croire qu'il vient du ciel. Il descend du ciel, dit le Coran textuellement, la descente. C'est une descente,
Et cette descente-là, les musulmans la distinguent en deux séquences, si vous pouvez, dans le temps. Une descente d'un seul coup au ciel le plus bas, le ciel dit par les astronomes, le ciel sublunaire, c'est-à-dire le ciel le plus proche de nous, les humains. Et à partir de là, il a commencé à être descendu autrement, d'une manière fragmentaire. Quelques versets, plus ou moins longs, chaque fois que l'événement l'exige. Voilà un peu ce que les musulmans, d'une manière à la fois historique et mythique, affirment. Il y a le côté mythique qu'on doit croire sur parole. Ceci vient du ciel, ceci est descendu sur un prophète, un élu de Dieu. Mohammed, le prophète, est dit Mustapha, Mustapha, c'est-à-dire l'élu, le choisi, celui qui a été choisi, donc par un être extra-mondain, un être séparé, un être, diraient les philosophes, transcendant. Et ceci n'est pas démontrable. Ceci, il faut le croire. Et pour être musulman, pour adhérer à cette religion, il faut le croire sans l'examiner d'une manière rationnelle. Pour le reste, une fois le texte admis ainsi comme une croyance, il peut être visité par la raison. Et d'ailleurs, c'est très curieux et c'est très original par rapport à la Bible dans ces deux dimensions, la dimension ancien testamentaire et néo-testamentaire. Le Coran, c'est quelque chose d'original, incite à la pensée au sens moderne du mot « fikr ». Le mot « fikr » qui est très moderne, qu'on utilise aujourd'hui, « fikr » veut dire « pensée », est très fréquent dans le Coran. Il y a même la gestion par la pensée, « tadabbur », un mot qui est aussi d'une très grande modernité. Un Emmanuel Kant, un Descartes, un Hegel ne l'auraient pas nié, d'abord, c'est-à-dire gérer la réalité par la pensée. Ce mot-là existe dans le Coran, il est même, le lecteur, entre guillemets, est encouragé à utiliser cette gestion des choses, des événements, du monde, par la pensée, le tadabbur, le tadbir. Sauf que dès que cette textualité nous est livrée, nous les humains, elle nous a été dérobée. En même temps qu'elle nous est livrée, elle a été dérobée. Comment ? Par un geste que les musulmans, qui croient plus qu'ils ne réfléchissent maintenant, un peu comme souvent toutes les religions, ils ont oublié que ce texte-là a eu une histoire chronologique. C'est-à-dire qu'il y a eu des versets descendus un temps T, d'autres versets un temps T1, d'autres versets un temps T2, T3, T4, etc. Mais cet ordre chronologique a été complètement effacé, sciemment effacé, délibérément effacé. On l'a fait exprès, on a effacé complètement cet ordre chronologique et nous avons un autre ordre qui ne se justifie pas raisonnablement. Tous les historiens du Coran, tous les exégètes, quand on leur dit qu'est-ce que c'est que cet ordre que nous avons dans le
Coran qu'on achète, l'exemplaire du Coran qu'on achète à la librairie, qu'on consulte dans la bibliothèque, qu'est-ce que c'est que cet orgue? La réponse est un peu naïve. De toutes les manières, elle n'est pas convaincante. Ils disent que celui qui a présidé le pouvoir du calife qui a présidé à cet ordre nouveau, qui efface complètement l'ordre chronologique, a trouvé la solution en classant les sourates, chapitres longs, avant, et petit à petit, en allant décrescendo jusqu'aux sourates les plus courtes. C'est la seule explication. C'est la seule explication qui nous est donnée aujourd'hui pour justifier le classement que nous avons aujourd'hui. Depuis, disons, le 7e siècle, quelques dates, le Coran est descendu, a commencé à descendre au prophète, à être inspiré au prophète, si vous voulez un mot plus moderne, en 610. Et il a cessé d'être reçu par le prophète, évidemment, par la mort de celui-ci, en 632. Donc, à peu près 22 ou 23 ans, un peu moins de 23 ans, d'apostolat, de réception de ce Coran-là. Quelque chose comme 22 ans. Ces 22 ans-là, on ne sait pas quels sont les rythmes d'abord, et puis les quantités. On ne nous dit pas quelles sont les quantités de sourates. Nous supposons que tout ce qui est récit, tout ce qui est, entre parenthèses, anecdotique, l'histoire de Moïse, de Jonas, de Joseph, etc., ont été inspirés d'un seul trait. Et que les autres, les indications juridiques, qui sont très rares d'ailleurs, qui pour la plupart sont descendues dans une phase seconde, non pas à la Mecque, mais à Médine, ont été inspirés, descendus après. Après la mort du prophète, le premier calife a tout simplement refusé de faire ce que les occidentaux appellent une vulgate, ce que les musulmans appellent un mushaf. Un mushaf, c'est-à-dire un codex de feuillets, un ensemble de feuillets entre deux volets. Ça s'appelle mushaf et c'est ce que nous consommons aujourd'hui, ce que nous achetons à la librairie quand on veut avoir le Coran chez soi. Cette vulgate a été refusée par le premier calife, le plus grand et le plus illustre des compagnons du prophète, il s'appelle Abu Bakr, celui qui lui a succédé immédiatement, et tous ceux qui s'occupent du Coran, tous les historiens du Coran, tous les exégètes, commencent par le citer. Quand on lui a dit « Pourquoi, Abu Bakr, vous ne faites pas une vulgate ?» Il répond d'une manière toujours la même, rapportée par les historiens du Coran et les exégètes. Il répondait invariablement « Comment ferais-je quelque chose que le prophète n'a pas faite ?» Je ne ferai pas une chose que le prophète n'a pas faite. Je veux le citer en arabe. كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. Donc, il a refusé. Il n'y a pas eu de vulgate du temps du premier calife, qui est resté au pouvoir un peu moins de 2 ans, et qui s'occupait surtout d'une guerre, de la première guerre civile, celle qui a donné lieu à une apostasie générale. Les gens ont un peu partout renié l'islam, surtout
dans des provinces arabes, ils ont renié l'islam, et Abou Bakr a tout fait, a consacré la courte période où il a pris le pouvoir, à ramener les gens au bercail, à ramener les gens à l'islam. Et ça s'appelle les guerres d'apostasie. Hurub al-Ridda. Hurub al-Ridda, c'est les guerres d'apostasie. Le second, Omar, a été tenté de faire ça. Et on croit même qu'il a participé, qu'il a fait une préparation de la venue de la Vulgate. Il était lecteur de la Torah, disaient les historiens. Il était au courant des autres écrits célestes, évangiles peut-être, et il était enclin à vouloir mettre ça en écriture, en scripturaire, et créer une vulgate. Sauf que l'histoire aussi nous dit que Omar, le deuxième calife, s'est beaucoup trop occupé d'administration, de conquête, de imposer la loi un peu partout, même dans la rue, avec un bâton qu'il avait tout le temps à la main, dans la rue, et que cela peut-être l'a empêché, diraient les historiens, de s'occuper de ce projet de constituer une vulgate. Le troisième calife, qui s'appelle Othman, a décidé institutionnellement de faire une vulgate, un mushaf, un codex de feuillets coraniques, ce que nous avons aujourd'hui devant soi. Mais il a décidé à propos d'un incident. Quelqu'un qui, un des compagnons du prophète, un des contemporains de ce troisième calife, revenait d'une campagne militaire dans l'Arménie, disent les historiens, tout à fait au nord du monde connu à l'époque, et il était dirigeant d'une armée, et il a dit au calife que ça va être la catastrophe pour cette religion naissante, parce que les gens se bagarrent. Les soldats qui venaient d'Irak disaient aux soldats qui venaient de Syrie, aux soldats qui venaient d'Égypte, ma version est la meilleure, ce que j'ai appris du Coran est la meilleure, et ils commençaient à se chamailler et même parfois à s'entretuer pour que chacun affirme sa version. Et donc, il conseillait au calife, selon toujours les historiens, d'unifier une version définitive, garantie par le pouvoir, garantie par l'État naissant, de fournir un mushaf, une vulgate aux musulmans. C'est ce que le troisième calife a décidé de faire. Il a nommé une commission. Les gens divergent sur le nombre, c'est le nom de ces gens-là, mais tout le monde s'accorde à dire qu'elle était présidée par un jeune homme, Zayd ibn Thabit, qui connaissait d'autres langues que l'arabe, connaissait probablement le syriaque et l'hébreu, et donc pouvait comparer les versions, et il avait la manière d'être familier avec les textes religieux. Donc il a présidé cette commission, et la règle était de consulter ce que nous étions capables de ramasser parmi les écrits, qui ne couvraient pas totalement ce que Mohammed, le prophète, a reçu, et les apprentissages oraux. Et la règle pour retenir un verset ou deux ou plusieurs versets de quelqu'un qui vient les rapporter oralement,
est la règle, c'est que deux disent le même texte alors qu'ils ne se connaissent pas. Il faut qu'il y ait deux témoins qui affirment avoir entendu de la bouche du prophète tel verset ou tel groupe de versets, et que quelqu'un d'autre, qui ne connaît pas le premier témoin, le confirme. Et dans ce cas-là, on l'inscrit dans le Coran comme texte authentique. Et c'est ainsi qu'on a réuni le Coran. Alors, le Coran a un aspect apparemment unifié. C'est un texte, on a eu l'habitude, on a finalement pris l'habitude de croire qu'il est unifié, il est institutionnellement unifié, alors que de l'aveu de tous les historiens, quelles que soient leurs obédiences, c'est un texte hétéroclite. Je vous donne un exemple. Ce fameux verset de la sourate 96, qu'on dit le premier verset, qui commence par « Iqra », « Lis », l'impératif de verbe « lire », lire, c'est les cinq premiers versets qui sont les versets premiers. « Lis au nom de ta mère et lis par celui qui a enseigné par le kalam, etc. » Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. C'est les cinq premiers versets. Le reste, il y en a plusieurs, le reste, ce sont des versets médinois, c'est-à-dire tardifs. Ils sont descendus 10 ou 15 années plus tard sur Mohammed. Et ça a formé une sourate maintenant unifiée qui s'appelle, selon la traduction de Jacques Berg, la sourate de l'adhérence, l'alaq. Donc, et les exemples font légion. Il y a des sourates où une partie est tardive, elle vient à la fin, et une autre partie est mécoise, c'est-à-dire qu'elle est inspirée par le prophète à la première période de son apostolat, de sa prophétie. Maintenant, que j'ai fait ce petit tour historique, le Coran, pendant toute la période omeyyade qui s'est étendue de la mort du prophète, de la mort des quatre califes dits clairvoyants, jusqu'à 750, il n'y a pas eu d'écrit. La seule écriture qui nous est parvenue, la seule, il n'y a ni géographie, ni chimie, ni même de la littérature, même pas de la poésie, ou rien de consigné, sauf le Coran. Sauf le Coran, nous avons maintenant des versions du Mus'haf, de la Vulgate, qui datent de la période omeyyade. On a l'impression que les omeyyades ont congelé, cette période-là a congelé, a mis en glaciation le Coran et s'est abstenu de tout autre savoir. Il n'y a pas d'autre savoir, nous n'avons plus rien. La consignation a commencé dans la dynastie suivante, la dynastie abbasside, et a commencé dès 1715 par le coup d'État fait par les Bani Abbas, les fils d'Abbas, d'où le mot Abbasid, contre les fils d'Omeya, d'où le mot Omeya. Pendant presque un siècle, il n'y a pas eu de tradition écrite. Même le hadith a été transporté pendant toute cette période-là oralement, jusqu'au moment, deux siècles plus tard, où un certain Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, né en 810 et mort en 870, a
fait quelque chose qui nous paraît, nous, de l'ordre de l'extravagant. Pour quelqu'un du XXe siècle maintenant, au XXIe siècle maintenant, ça nous paraît extravagant. Il dit avoir ramassé, parmi les paroles du prophète, parmi les gestes du prophète, parmi les silences du prophète, pour quelque chose qu'il a vu, il a ramassé 600 000 hadiths, 600 000 paroles prophétiques, 600 000. Il les a examinées selon une science qui est maintenant étudiée, la science du hadith, étudiée un peu partout dans les universités, surtout les universités d'islamologie, les universités théologiques, Al-Azhar, Al-Zaytouna, Al-Qaraoudoun, etc. au Maroc. Il a examiné selon cette science ces 600 000 paroles du prophète, 600 000 attitudes ou gestes, et il en a gardé moins de 1%, à peu près 7 000. Cela nous paraît difficile à croire. Parce que 600 000, alors que, dit-on, il a passé 24 ans de sa vie à s'occuper de cette science-là, ça nous fait 4 ou 5 examens critiques, 4 ou 5 analyses, toutes les heures, en supposant qu'il n'a pas dormi du tout un seul moment. Et donc, en plus, Al-Bukhari semble être un personnage fictif, parce que nous n'avons pas une copie d'Al-Bukhari. Nous n'avons même pas la certitude qu'il a existé. Selon beaucoup d'historiens, c'est un être fictif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant deux siècles avant cette nouvelle institution qui s'appelle le Hadith, les musulmans étaient livrés à eux-mêmes devant ce texte. Ils le récitent. C'est tout. Et avec la venue de ce corpus qui s'appelle le Hadith et d'autres corpus qui l'ont suivi, il y en a 6 très connus parmi les Hadiths, qui sont plus ou moins contemporains ou succédant l'un à l'autre pendant quelques années. Je cite Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed ibn Hanbal, etc. Des gens qui ont une différence de quelques décennies entre eux. Ils ont institué ce que maintenant, tout le monde sait, tout le monde connaît le mot, nous appelons la sunna. La sunna, c'est-à-dire la manière d'être, si vous voulez, de quelqu'un. Mais ici, quand on dit sunna tout court, en parlant de hadith, c'est la manière d'être du prophète. Et tout, ou la majorité des musulmans, la grande majorité des musulmans, 95% des musulmans, croient que le Coran ne vaut rien. La compréhension du Coran seul ne vaut rien sans le secours de la sunna. Et vous avez cette formule-là, le Coran et la sunna, qui est dans toutes les bouches. Sinon, on est même accusé de presque la dénégation de l'islam si on croit que le Coran suffit tout seul. Alors, ce qu'il y a de plus paradoxal et même curieux, je n'ai pas devant dire ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le Coran est contredit par la sunna. Je vais vous donner un exemple. Dans la sourate 17 qui s'appelle Le Voyage Nocturne, la sourate 17 du Coran qui s'appelle Le Voyage Nocturne, les contradicteurs du prophète Mohammed lui lancent quelques défis. Par exemple, pourquoi tu ne viendrais pas avec un ange pour qu'on te croie? Pourquoi tu ne fais pas descendre du ciel un livre déjà écrit que nous lisons?
أن تنزل علينا كتاب من السماء كتابا نقرأه. Et pourquoi tu n'as pas une villa enjolivée parmi les défis? Et lui il répond, mais que vous me dites là, je ne suis qu'un modeste humain. Je ne peux pas avoir la possibilité de relever tous ces défis-là. Je suis incapable de relever des défis de la sorte. Même pas avoir une belle demeure, même pas avoir une maison bien faite. Alors que la sunna, dans d'innombrables hadiths, dans d'innombrables paroles du prophète, montre qu'il est capable de miracles beaucoup plus costauds, beaucoup plus performants que le bâton transformé en python, en gros serpent par Moïse, capable de performances beaucoup plus grandes que celles dont Jésus était capable de faire ressusciter les morts, guérir l'aveugle de naissance, etc. On dit même que quand il passait, Mohammed, quand il passait, les pierres lui parlaient. Il lui disait que tel de ses ennemis est caché derrière cette pierre-là. Alors on dit que le prophète passait un jour et la lune s'est fondue. Un peu pour le saluer, pour lui faire hommage. Et la sunna accumule des choses qui contredisent complètement le Coran, qui dit textuellement. Le Coran dit textuellement, ce n'est qu'un homme qui marche dans les souks et qui absorbe de la nourriture. Ce n'est qu'un homme qui marche dans les souks, même s'il fait la soif, et absorbe de la nourriture. C'est-à-dire un homme comme un humain. Et surtout, le Coran le montre parfois capable de se tromper et le rectifie. Rectifie son erreur. La sourate le rend fournier quand il a, tout le monde la connaît, quand il a été un peu disons entre guillemets impoli avec un aveugle qui venait s'enquérir sur l'islam, et cet aveugle là était pauvre et le prophète l'a rabroué, il n'a pas voulu l'écouter. Alors il y a toute une sourate qui s'appelle celui qui s'est renfourni, qui reproche sévèrement au prophète d'avoir été capable de ce geste-là. Mais le plus important, et ça sera la deuxième partie, le plus important pour un lecteur moderne, pour celui qui veut le lire normalement, c'est que cette lisibilité, à cause de tout cela, est rendue impossible pendant des siècles et des siècles. Elle est rendue impossible pour des raisons que nous comprenons aujourd'hui avec la linguistique moderne, avec la sémiologie moderne, avec la sémantique moderne. D'abord, c'est un homme de pouvoir aussi, un gouverneur très connu qui s'appelle le Hajjaj ibn Yusuf, qui a rendu le Coran, je ne dirais pas lisible, mais déchiffrable. Le scripturaire supposé préparé par le troisième calife Othman n'était pas déchiffrable pour une raison très simple. Il lui manquait au moins deux dimensions de déchiffrabilité que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, ce qu'on appelle des points diacritiques. Vous savez qu'il y a des lettres qui se ressemblent, qui ont le même aspect graphique dans l'alphabet arabe, et qu'on ne peut distinguer que si
on spécifie les points, le point ou les points qui sont en bas de cette lettre-là ou en haut de cette lettre. Par exemple, la lettre « fait » en arabe, « fait » comme dans « thank you » en anglais, c'est un angle droit avec trois points au-dessus. Il est, sans ces trois points, tout à fait semblable au « b » qui a un point en bas, le « t » qui a deux points en haut, la lettre « t » et le « y » qui a deux points en bas. Donc, ces lettres-là n'existaient pas dans la version jusqu'à ce gouverneur, gouverneur extrêmement irascible, extrêmement sévère, extrêmement homme de répression, qui s'appelle Hajjaj ibn Yusuf, qui a été d'une très grande sévérité, et puis aussi d'une très grand attachement au pouvoir, souvent aux dépens du culte de l'islam. Pendant une guerre civile qui a éclaté dans la région du Hijaz, la région de la Mecque, il n'a pas hésité à bombarder la Kaaba avec deux catapultes. Il l'a détruite complètement pour déloger celui qui voulait faire une rébellion contre le calife central qu'il a nommé Abdelmalek ibn Marwan, qu'il a nommé grand dirigeant de l'armée qui allait déloger cet homme-là qui est tout simplement le petit-neveu du premier calife Abou Bakr. Il est le premier, il s'appelle Abdullah ibn Soubay, l'a délogé en bombardant au catapulte la Mecque. Et puis, plusieurs anecdotes montrent que pour lui, le pouvoir passe avant le religieux, Hajjaj ibn Yusuf. Et ce Hajjaj ibn Yusuf était un grand rhétoricien, un grand connaisseur du Coran, et dit-on, l'histoire le dit, pourquoi je dis dit-on, parce que tout cela doit être révisé complètement selon les normes modernes de l'historien, selon l'étude historique, ce qui n'a pas été fait ou a été fait très timidement jusqu'à maintenant. Ce Hajjaj ibn Yusuf, donc, a inventé la distinction et la spécification des lettres entre elles. Par exemple, le ta et le va ne sont pas distincts sans des points inventés. Et puis, la vocalisation. Vous savez que la lettre arabe est toujours une consonne. L'arabe est consonantique. Et si vous avez la lettre, par exemple, prenons la lettre connue pour l'alphabet latin, prenons le B, quand on le voit sans les signes de vocalisation, il n'est pas prononçable. Il faut qu'il y ait un signe pour qu'il soit B, ou un autre signe pour qu'il soit B, un autre signe pour qu'il soit B. La même lettre, il lui faut un signe extérieur au graphique alphabétique pour qu'elle puisse être prononçable. Et c'est Hajjaj ibn Yusuf qui a inventé ça. En plus, il a laissé tomber jusqu'à maintenant une autre distinction que tous les lecteurs de n'importe quel texte en Occident, par exemple, croient nécessaire, à savoir la ponctuation du texte. Quand finit la phrase? Quand commence la phrase et quand elle finit? Quand une phrase est une phrase exclamative et quand elle est interrogative? Quand elle est affirmative, quand elle est itérative, c'est-à-dire qu'elle énumère avec une virgule. Par exemple, je dis l'arbre, virgule, le sentier, virgule, pour que je fasse une itération et que j'énumère cette ponctuation inter-phrase, inter-texte, n'existe pas toujours. En arabe, il y a une autre ponctuation
qui n'est pas une ponctuation de lecture, c'est une ponctuation faite par celui qui a installé le texte dès le début, c'est la séparation des versets. Il y a le verset 1, quand il est terminé, il y a le numéro 1, et puis le 2, le 3, 4, jusqu'à la fin de la sourate. Par exemple, la sourate 2, la plus longue, la vache, elle a 286. Et parfois, un verset, souvent, un verset ne donne pas, la séparation d'un verset ne donne pas le sens que grâce à la suite, au deuxième ou au troisième verset. Les Tunisiens, les Maghrébins en général, quand ils reprochent à quelqu'un un propos incompréhensible parce qu'incomplet, ils citent un verset du Coran, ils disent, écoute, ne t'arrête pas dans malheur à celui qui font la prière. C'est vrai, c'est un verset complet, autonome. Il y a un verset autonome, malheur à celui qui fait sa prière. En arabe, mais ça ne veut absolument rien dire si on ne poursuit pas. Le deuxième verset dit ceux qui négligent leur prière. Malheur à ceux qui font la prière, malheur à eux s'ils négligent le prophète. Normalement, dans une phrase normale, il n'y a pas de ponctuation. Là. Il faut que cette phrase-là soit complète pour qu'elle soit compréhensible et qu'elle ait son sens. En plus, et je termine là-dessus, pendant longtemps, il n'y a pas eu de code de lisibilité. Et ces codes de lisibilité ont été artificiellement installés plus de 2 siècles après. Le code le plus dangereux, et le plus perturbateur de la lecture, c'est un code qui s'appelle le code de l'abrogation. Vous lisez un verset, vous l'invoquez pour convaincre quelqu'un, pour plaider une cause, et tel professeur de théologie d'Al-Azhar, ou de la Zitouna, ou de Qaraouine, vous arrête net, vous dites non. Qu'est-ce que c'est que ce verset-là? Qu'est-ce que c'est que cet argument? Ce verset-là a été abrogé. Et il vous cite le verset abrogeant. C'est vrai. C'est maintenant une mécanique, une stratégie qui fait qu'un verset annule l'autre. Et le plus difficile, c'est que ceux qui ont installé cette science-là ne sont pas d'accord pour dire quel est le verset abrogeant, quel est le verset abrogé. Il y a des traités partout qui montrent que tel verset est valable parce qu'il n'a pas été abrogé, et beaucoup d'encre coule pour montrer qu'il n'a pas été abrogé, donc il est valable. D'autres disent non, Dieu l'a amendé. Dieu entre guillemets, a regretté à un certain moment de l'avoir inspiré à Mohammed, et il l'a fait par quelqu'un d'autre. Ma conclusion pour ça, parce que je deviens trop long, c'est que cette question de l'abrogation qui est au cœur de la stratégie de lisibilité ratée, du Coran, a été radicalement critiqué par un contemporain. Mais ça lui a valu tout simplement la peine de mort. C'est en 1985, au Soudan, que Mohamed Mahmoud Taha a réfléchi à ce problème-là. Le problème de l'abrogation, la question de l'abrogation, le terme d'abrogation existe bel et bien dans le Coran. Il existe dans au moins 3 endroits importants. Nasr, ça s'appelle le nasr. Le nasr, c'est-à-dire effacer. C'est un peu comme le soleil qui se déplace et qui efface l'ombre.
le soleil, la lumière du soleil efface l'ombre, elle fait ce geste de Nasr. Et il a réfléchi sur ce problème, sur cette terminologie qui existe bel et bien, comme je vous l'ai dit, dans le Coran, et il a montré, et je trouve qu'il est convaincant, et cette idée géniale qu'il a eue lui a valu, comme je vous l'ai dit, la mort par pendaison du temps du général Noumaïri au Soudan. Il disait que Dieu abroge effectivement. Mais il n'abroge pas un texte par un autre. Il abroge un texte par le temps. Et il donne plusieurs exemples. Dans le Coran, il y a effectivement des versets qui gèrent la servitude et l'esclavage. Mais le temps a rendu ça caduc. Il a rendu ça abrogé. C'est le temps. C'est l'évolution du temps qui rend le texte abrogé. Ce n'est pas la volonté d'un faqih, la volonté d'un théologien qui réfléchit et qui dit que ce verset-là, qui existe toujours sur le texte, a été abrogé par tel autre, etc. C'est une révolution, et cette révolution-là est en train, comme a dit Mohamed Bahiri, est en train de faire frémir les études islamiques, de donner un frémissement positif avec beaucoup de penseurs, même parmi eux les plus pieux, comme Mohamed Chahrour, parfois entre guillemets, sécularisés, dit les Occidentaux, les Français diront laïcs, comme Mohamed Djebri, comme Abdallah Al-Haroui, bien avant lui, comme Hicham Jahmet en Tunisie, qui commence à prendre à bras le corps cette question de la critique du Coran. Pas la critique au sens de que les Arabes détestent, que les musulmans détestent, non, la critique au sens de Kant. Et la critique au sens de Kant vient d'un mot grec qui signifie voir avec ses dents si une monnaie est fausse ou vraie. Et c'est exactement la même chose qui fait que l'arabe naqd, qui a donné le coup de monnaie, a la même signification. C'est-à-dire, je dois voir si telle vérité est fausse, falsifiée, ou telle vérité est authentique et capable de rentrer dans la rationalité. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci beaucoup, professeur. C'était une conférence magnifique, excellente. On vous remercie beaucoup, surtout de... Ah, pardon. Je crois que je suis parlant d'une... Pardon. Muchas gracias. Excuse-moi, Mohamed échange de langue, donc merci. Non, je m'excuse, je m'excuse. Perdón, no, solo estaba agradeciendo al profesor Sadiq por su brillante conferencia. Je ne faisais que remercier le professeur Sadiq de sa conférence brillante. Apago porque me sale el francés. Muy esclarecedora. Donc, vraiment, votre conférence nous a éclairci énormément. En tout cas, pour moi, cette conférence m'a beaucoup aidé à éliminer certaines des questions que j'avais préparées après les lectures de vos recherches. Mais avant de vous poser des questions, je voulais passer la parole aux participants. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Karim, Roud, vous avez des observations, des commentaires, des questions. Et puis après, si ce n'est pas le cas, c'est moi-même qui vous posera quelques questions. Donc, qui me sont venus en vous écoutant, en écoutant votre conférence brillante.
Muy bien, muchas gracias. Merci. Mohamed. Merci, Mohamed. Si tenemos algunas preguntas ya para el profesor. Nous avons déjà quelques questions pour le professeur. Aprovecho para felicitar por Félix, et je profite de cette occasion pour vous féliciter également, car c'était un exposé, une conférence très intéressante. Tenemos pocos ejemplos de esto, creo yo. Nous avons très peu d'exemples sur tout cela. En nuestras conferencias habituales no solemos digamos, tratar con el tema del Corán con quizás con actualidad, ¿no? Con la pertinencia también, avec interpretaciones en el presente, en el siglo XXI. Mais nous ne parlons pas des interprétations présentes du XXIe siècle non plus. Las preguntas me llegan en francés. Les questions m'arrivent en français. Alors, je vais les faire en français? Oui. D'accord, donc pas besoin, je pense, de traduire. Est-ce que vous m'écoutez en français maintenant, professeur Sedir? Je vous écoute en français. D'accord. Alors, nous avons la première question de Kuro Azrem. Il vous demande, que pensez-vous sur la traduction du Coran? Ou peut-être même les traductions, est-ce que les traductions gardent véritablement le sens du Coran? Et on a deux questions encore, je ne sais pas si elles viennent de la même personne, mais je rajoute alors, est-ce que les modifications introduites par Hajjaj ibn Yusuf ont modifié le message du Coran d'une façon définitive? Est-ce qu'il existe dans les récits des autres sectes musulmanes, il dit, comme par exemple les chiites ou les kharijites, l'idée d'un Coran différente à celle que nous connaissons? Pour la première question, les traductions, ça date depuis le XIIIe siècle. XIIIe siècle, il y avait en France un vénérable homme d'église, un clunésien, qui s'appelle l'abbé Pierre, qui a presque clandestinement à la papauté, qui était en plein croisade à l'époque, hein, s'occupait pas du Coran, au contraire, mais il a commandé à un Écossais une traduction du Coran parce qu'il croyait qu'il a découvert que les musulmans, que l'islam était monothéiste et que la propagande des croisés laissait croire que les musulmans étaient païens. Il disait d'ailleurs, le paganisme musulman, c'est des païens, etc. Et lui, l'abbé Pierre, le Pierre le Vénérable, a eu cette intuition, bon, il a dit peut-être que je participerai à la paix en traduisant correctement le Coran. Il a traduit correctement, mais l'Église n'a pas voulu de cette traduction. Elle l'a fait taire, puis perdre. Il reste des fragments, bien sûr, de cette traduction-là. Et pendant longtemps, pendant deux ou trois siècles, le Coran n'a pas été traduit ni en latin ni en une autre langue nationale, des langues nationales qui venaient de paraître. Bien que la proximité de l'Espagne et l'Andalouse, d'Averroès, qui était lue par Saint Thomas, par Saint Bonaventure, par les étudiants d'Oxford, de Murcia, de Paris, de Padova, etc. Et les traductions qui sont venues après ont été surveillées, même censurées par l'Église. Et donc, les traductions actuelles, contemporaines, qui font légion, du moins en français, il y en a plein, Jacques Berck, Régis Blacher, Geoffroy Saint-Hilaire, Il y a beaucoup de traductions maintenant qui prolifèrent. Ces traductions-là
prennent des premières traductions nationales leurs erreurs. Et beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs dans ça. Blacher, par exemple, quand le Coran parle d'une ville superbe avec des piliers dont on n'a jamais vu de pareil, Iramadat al-Imad, jamais rien n'a été vu sur toute la terre. Il traduit ça par piqué de tente, Imad, pilier. Rien que parce que il partait de l'idée, du préjugé, que la terre d'Arabie qui a donné naissance au prophète, au Coran, à l'islam, ne pouvait pas abriter des lieux monumentaux. Or, tout le monde sait maintenant qu'il y a des lieux monumentaux dans la presqu'île arabique, au Yémen, au nord de l'Arabie saoudite actuelle, à Oman, à Bahreïn, il y a des sites monumentaux. Et le traducteur du XXe siècle, Régis Blacher, n'a pas daigné réfléchir que ces Arabes qui ont donné l'islam et le Coran pouvaient avoir des sites de monumentalité dignes d'être cités dans le Coran. Moi, je ne suis pas d'accord pour lire les traductions. Mais pour ceux qui connaissent l'arabe, vaut mieux. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de lire l'arabe, moi je conseille quelqu'un qui a beaucoup de modestie dans la traduction. Pour les lecteurs français, je trouve que la traduction de Denise Masson dans les éditions des Pléiades est une bonne traduction, du moins en français. Je crois qu'elle a été très proche du texte et elle a fait beaucoup d'efforts pour éviter les préjugés. Pour les autres questions, Hajjaj Younous, est-ce qu'il a déformé dans sa réforme de la déchiffrabilité, ce que j'ai appelé la déchiffrabilité du texte? Oui, il a fait des choix. Je vous donne un exemple. Dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Sourate du Soleil. À la fin, il dit, le Coran dit, ce que nous lisons aujourd'hui, des visages devant leur Seigneur épanoui, ouais. S'écrit avec un va sans le battant, va qui n'a pas de bouton, c'est pas va, c'est dad, ouais. Parce que le Hajjaj a trouvé qu'il y avait ce petit bâton qui distingue le va de va et qui rend le verset devant leur Seigneur regardant. Nadira, nadara, regardez. C'est-à-dire, il a décidé qu'elle ne peut pas contempler le visage de Dieu, donc il a opté pour épanoui, qui s'écrit de la même manière, sauf que les deux va, les deux sont va, sont différents par un signe qu'il a créé. C'est lui qui a saigné, créé ce signe-là. On dit parfois que même au niveau des points diacritiques, Hajjaj Ibn Yusuf a changé le sens. Par exemple, le Coran que nous lisons aujourd'hui dit le jour où ils iront au paradis, nous les marions à des houris. Nous avons bihuri ayn. Beaucoup disent que Hajjaj s'est trompé. Parce que, arguant que au paradis, il n'y a pas de contrat de mariage.
C'est pas, Dieu ne va pas amener un notaire pour écrire un contrat de mariage entre une houri et le fidèle qui a mérité le paradis. Donc, c'est « nourawihuhum bihouri aïn »« nourawihuhum », c'est-à-dire on les aère, on leur donne un meilleur agrément. « Rawah, rawah », c'est-à-dire ils seront plus à l'aise, mieux à l'aise. Et les deux phrases s'écrivent de la même manière. « Nourawihuhum » ou « nousawijuhum » c'est de la même manière. C'est la seule différence, c'est les points diacritiques. Donc, il a pu. Et surtout, sur l'agencement du verset. Tu vois, pour l'agencement du verset, à mon avis, hein, je penche pour l'idée qu'il a manipulé. Quel est le troisième volet de la question, j'ai oublié. Allô? Karim? Le troisième volet de la question, je l'ai oublié. Non, je pense. Le troisième volet de la question, c'était sur si dans d'autres sectes, il parlait des chiites et des kharijites, l'idée d'un Coran, est-ce qu'il y a une idée d'un Coran différent à celle que nous connaissons? J'assume là qu'il parle, nous connaissons chez les sunnites. La question s'est posée du temps de la grande discorde, la grande guerre qui a opposé, qui a donné lieu, comme vous dites, au kharijite, qui a donné au clan de Ali, qui ne s'appelait pas encore chiite, qui s'appelait des alawites à l'époque, c'est-à-dire les partisans d'Ali. C'est plus tard qu'ils sont devenus des chiites. Ces deux-là ont eu la tentation d'avoir leur propre version du Coran. Il y a même des historiens chiites qui disent que nous avons le Coran de Fatima, la fille d'Ali, qui, si vous le connaissez, vous allez être étonné, qui n'a rien à voir avec le Coran que vous utilisez. Et l'histoire continue et dit que Ali, pour des raisons de consensus, pour ne pas aggraver la guerre civile, a accepté la version d'Othman, sauf que le chiisme a trouvé la solution dans la distinction entre le Coran latent et le Coran patent, al-batin ou al-zahar. Il y a un Coran zahar que tout le monde utilise, surtout les sunnites, c'est le Coran à la lettre, et que eux, ils ont un sens ésotérique qu'ils utilisent et par lequel ils fondent leur appartenance au chiisme, par leur obédience à Ali, etc. etc. Les versions ou les traductions, entre guillemets, de ces textes renvoient à un sens qui n'est pas le sens commun des sunnites. Mais le texte qu'utilisent les chiites, le texte lui-même apparent, est toujours le même, le kharijite aussi. D'accord. On a une autre question de Luis Esteban. Alors là, je vais la poser en espagnol et vous écouterez la traduction. Luis Esteban pregunta. Luis Esteban pose la suivante question. Citando un argumento elemental del pensamiento mortazili. De la pensée mortazili. Dios no crea las acciones del hombre. Ne crée pas les actions de l'homme, que ce soit les actions bonnes ou mauvaises. Sino que el hombre es libre y creador de sus acciones. L'homme est libre et créateur de ses actions. La pregunta. ¿Se debe adaptar los escritos a la actualidad? Est-ce qu'il faut adapter les écrits à l'actualité? Usando el libro como un libro de consejos, le livre comme un libre de conseils, y no como un dogma, et non pas comme un dogme, no caer en el fundamentalismo, sino en el racionalismo, et ne pas tomber dans le fondamentalisme, mais plutôt dans le racionalisme. Oui, le mu'tazilisme a eu une courte carrière dans
l'histoire de l'islam, malheureusement, une courte carrière. Il est né vers le premier siècle de l'Égypte, c'est-à-dire juste après le déclin des Omeyyades, et il a osé dire ce que nous sommes en train de dire maintenant pour réformer, pour essayer de hisser l'islam dans la modernité, avant nous. Par exemple, il a dit quelque chose de très important. Il a dit que Dieu n'a pas révélé le Coran à la lettre. Il a tout simplement révélé des idées à son prophète dans des épreuves extatiques, des épreuves réellement prophétiques, ça c'est vrai, ça existe, une grande preuve d'inspiration, et que Mohammed, le prophète, les a exprimés dans la langue de son peuple, la langue de, son, de sa région, la langue humaine, la langue qu'il utilise. Et ça, c'était à l'époque quelque chose d'absolument révolutionnaire qui a valu une opposition très grande contre ces Mu'tazilites dès leur naissance. Et finalement, c'est un calife qui les a imposés. Un calife qui s'appelle Al-Ma'moun, qui les a imposés presque comme dogme d'État. Et Al-Ma'moun, en les imposant, a importé les manuscrits de philosophie d'Aristote, de Platon, de Plotin, de la Grèce, et il a fondé une maison qui s'appelle la Maison de la Sagesse pour des traductions à perte de vue. Tout, tout était traduit, la médecine, la philosophie, etc. Ça, ce qui a donné un essor à la philosophie. Et ils sont des gens pieux, fidèles à la religion islamique, mais ils veulent la soumettre à la rationalité d'une manière systématique. Et sur ça, sur la question de la volonté de l'homme et la volonté de Dieu, ils distinguent deux sphères. Dans la sphère de l'humain uniquement, l'homme est libre, complètement libre. Et dans la sphère générale de la gestion de l'univers, la gestion des galaxies, l'univers, les systèmes solaires, les éléments de la nature, Dieu est mathématicien, ce qui est extrêmement moderne comme pensée. C'est presque ce que dit Spinoza, ce que dit Hegel aujourd'hui. Il croyait que, et il reposait sur un verset du Coran, dans la sourate, le reploiement, At-Takwir. La sourate At-Takwir s'appelle le reploiement. Deux versets qui se suivent, il dit, voici une parole de Dieu pour ceux d'entre vous qui veulent bien rester droit. Il repose sur ça. Donc Dieu nous donne la possibilité de choisir. Voilà un document. Si vous voulez le suivre, vous êtes libre de ne pas le suivre. Mais juste après, le deuxième verset, et vous ne saurez savoir, vous ne saurez vouloir que ce que Dieu veut. De toutes les manières, il y a deux sphères. Là, vous êtes libre sur la sphère et la dimension humaine, et sur la dimension divine qui englobe la totalité de l'univers, la totalité de l'univers, et, comme diraient les philosophes, est sous le signe de la rigueur mathématique.
je crois que c'est Leibniz, le grand Leibniz, qui disait « Deus calculat fit mundum ». Dieu a calculé, il a fait le monde. Donc, cette liberté-là, elle est tout simplement une expérience, une épreuve de l'humain, mais dans l'ordre du divin, elle ne veut absolument rien dire parce que tout est régi par la divinité. D'accord, merci, muchas gracias. Profesor Mohamed Dahiri, ¿tenías algo más que alguna otra pregunta? No tenemos ya más preguntas de nuestro público. Parfait. Non, seulement moi, je veux ajouter, je veux profiter de l'occasion pour demander à notre professeur son aide un peu sur quelques problèmes qu'on trouve comme chercheur dans tout ce qui concerne les sciences de l'islam, bien sûr. Vous avez parlé de ce problème qui pose l'absence des signes alphabétiques qui manquaient de points diacritiques, mais aussi l'absence de la ponctuation, bien sûr, elle pose un problème. Mais il y a un autre problème ajouté, je pense que vous avez parlé de ça dans plusieurs de vos recherches. Mohamed Abdeljabri aussi l'a dédié 3 volumes pour éclairer ça. C'est ce problème qui pose le Coran qui n'est pas organisé selon sa date de révélation. C'est-à-dire, on commence par la Fatiha et on... J'ai commencé par cette remarque, mais je ne l'ai pas approfondie. Vous avez... Mais je vous remercie vraiment de bien éclairer ou voilà. Approfondir moi, dans ça. Je pars de l'idée, je crois que j'en ai parlé avant qu'il ne fasse publier son livre avec Mohamed Abdeljabri. Je crois que le Coran a commencé par être livré, entre guillemets, livré à notre écoute, comme une série de fragments. Qu'est-ce qu'un fragment? Au sens de l'écriture grecque, fragment d'Empédocle, le fragment d'Héraclite, le fragment, c'est une technique. Comme on dit le sonnet dans la poésie française, ou on dit l'alexandrin, etc. Le fragment, c'est un texte plus ou moins court, ça peut être une phrase, ça peut être 10 lignes. Il est à la fois fermé et autonome, mais il ne peut que renvoyer à d'autres textes avant lui et après lui. C'est un peu l'ordre des neurones. Les neurones font un cerveau, mais ils sont autonomes. Chacune est autonome. Mais elle n'a de sens que si elle est liée à d'autres. Là, elle peut donner du sens, elle peut donner la mémoire, elle peut donner l'action, elle peut donner la peur, parce qu'elle est liée. Et le Coran, et c'est ce que nous avons complètement perdu, c'est un ensemble de fragments. Qui aurait dû, à mon avis, rester tel quel. Parce que je ne vois pas comment, quand on lit le Coran, pourquoi il saute vraiment. Hein. C'est un peu trivial, un peu vulgaire de le dire, c'est vraiment, il saute du coq à l'âne. Il saute du coq à l'âne. Mais parfois, on trouve un passage où le fragment est complet, mais on a du mal à savoir dans le temps à quel autre il renvoie, à quel autre il renvoie avant lui, quel autre il voit à côté de lui, après lui. Et c'est ce caractère diamantaire, plusieurs facettes qui font un même éclat, qui nous a été complètement perdu. Complètement perdu. Et la logique qui a présidé à l'entreprise de Othman, celui qui a fait la Vulgate, celui qui a présidé à la Vulgate, sa logique est une logique de paresse.
D'ailleurs, après, les musulmans, les spécialistes de cette question-là, se sont cru se rattraper en disant non, c'est le prophète lui-même qui disait, quand il a un verset, mettez celui-là dans la sourate la vache, mettez celui-là dans la sourate Joseph, mettez ça dans la sourate les groupes, Zumar, etc. Ce hadith ou cette manière d'expliquer est impossible. Parce que chez les mêmes historiens qui disent ça, on trouve, par exemple, quelqu'un qui a amené deux versets. Et Omar était là-bas, on préparait la Vulgate. Il dit qu'Omar a commencé par y réfléchir. Et ces deux versets, c'est les historiens qui disent ce que je vais vous dire, qui montrent à quel point la version que le prophète mettait lui-même par inspiration divine est fausse, par l'anecdote que je vais vous raconter elle-même. Quelqu'un est venu avec deux versets. Voici que je vous ai envoyé un envoyé que vous chérissez, etc. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ etc. Et Omar et Othman ont dit, mais oh là là, ce sont des versets, où est-ce qu'on va les mettre? Et Omar, selon les historiens, a dit, ah, si c'était trois versets, je n'aurais fait une sourate. Parce que le minimum, c'est trois sourates. La sourate Al-Kawthar et trois versets. C'est le minimum. Ah, bon, alors, mettez-la à la fin de la sourate 9, Tauba. Les historiens qui disent que le prophète a agencé se contredisent immédiatement en racontant cette histoire d'arbitraire. Bon, il n'a pas trouvé que c'était ces trois versets, donc il n'a pas pu en faire une sourate autonome. Donc il a dit, bon, voilà, en désespoir de cause, mettez-les à la fin de la sourate 9, la sourate Tauba. Donc, la question de c'est, à mon avis, uniquement une question de paresse. Il a réuni plusieurs, il n'a pas une version complète écrite, parce que je suis convaincu que le prophète comptait sur la mémoire et que la plupart du Coran a été retenu par mémoire, et que le prophète devait appeler des scribes, des gens qui savent écrire, mais quand la chose est difficilement apprenable. Quand, par exemple, la question de, dans la sourate des femmes, la question de l'héritage. Il est difficile d'apprendre, mais tel aura un huitième, et si l'autre est mort, il aura le quart, etc. C'est difficile. Donc, il demande à ses scribes d'inscrire des choses précises, des choses qui ne souffrent pas l'erreur quand quelqu'un perd la mémoire. C'est uniquement pour ça. Sinon, nous aurions un scripturaire complet et Othman n'avait qu'à le copier, le recopier. C'est tout. Il n'avait pas à compter sur la mémoire orale des gens. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière question, c'est plusieurs fois on s'était posé la question, pourquoi en lisant vos recherches, les recherches de Mohamed Abdel Jabri ou le même Hicham Jaed ou Tayyib Tizini sur le Mashrou Ru'ya Jadid al Fikrina al Arabi al Mu'assir ou le même Hussein Mouroua in Naza'at al Maddiya. Pourquoi, sans que vous soyez des Azharis, c'est-à-dire sans passer de l'Azhar, vos recherches aident mieux à comprendre l'islam dans son contexte social, culturel,
géographique et aussi religieux. C'est une question qu'on se pose chaque fois qu'on lit ces œuvres. Bien sûr, je ne veux pas citer aussi Malik ibn Nabi, les premières recherches de Hassan Hanafi, par exemple. Mais pourquoi sans passer pour Al-Azhar, sans mémoriser les 12 sciences qui régulent la langue arabe, vous êtes arrivé, bon, votre situation est différente, bien sûr, je me souviens que vous avez une solide formation de langue arabe depuis que vous étiez petit avec, en allant chez votre père au magasin entouré de livres. Mais je parle des restes, des Tayyip Tizini, de Hussein Mourouah, même Jalal Azm, dans un grand débat publié dans un livre avec Ramadan Lbouti, on a vu comment il est arrivé à convaincre mieux que Ramadan Lbouti, étant un théologue musulman avec une formation solide dans les sciences du Coran et de Hadith. Mais seulement, vraiment, je ne peux pas laisser passer l'occasion sans vous demander directement pourquoi on comprend mieux en vous lisant. Je crois que d'abord, il y a ce côté que je n'ai pas été lié à un espace universitaire arabe comme l'Azhar ou comme Zaytoun, mais j'ai reçu la même chose chez mon père, qui était un homme qui acceptait la contradiction, qui acceptait même ce que beaucoup considèrent comme une mécréance. Moi, je pouvais discuter avec mon père en lui disant des choses qui sont considérées. Même avec Cheikh Achour, qui c'était son ami, non? Comment? Ou même avec Cheikh Achour, qui c'était son ami, oui, qui lui rendait des... Oui, mais mon père, par exemple, disait aux gens, et ça, je tiens à le rappeler, les gens qui venaient le voir, c'est des gens en turbanie, des gens parfois trop pieux même fanatiques, leur disaient, moi je ne suis pas d'accord pour le hadith qui dit ordonnez-leur de prier à 7 et frappez-les à 10. Omuruhum li sab'in wadrubuhum li 10. Non, le prophète ne peut pas nous demander de frapper un enfant de 10 ans parce qu'il n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il peut comprendre de la prière? Moi, il m'a parlé de ça, des 5 piliers de l'islam, lorsque j'avais 18 ans. J'ai commencé à discuter avec lui, mais jamais il m'a obligé à aller avec lui à la mosquée à 7 ans, à 8 ans. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'islam avait quelque chose avec moi, personnellement, dans ma biographie, d'indulgent. Qu'il ne m'a pas maltraité. Il ne m'a pas pris pour un idiot. Grâce à mon père, qui m'a permis de lire Shakespeare en arabe, Cervantes en arabe. Jusqu'à maintenant, Cervantes, je ne l'ai lu qu'en arabe, ne connaissant pas l'espagnol. Je me dis, en arabe ou en français, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pièces de Shakespeare que je n'ai pas lues en français. Pas encore. Je les ai lues uniquement en arabe. Et c'est cette atmosphère-là, cette ambiance-là, où l'arabe, grâce à la librairie, m'est paru universel, me paru un peu comme Alexandre Dumas en France, Cervantes en Espagne, Shakespeare à Paris, qui m'a permis peut-être je suis trop prétentieux, je veux sauver l'islam en intégrant dans une universalité qu'il ne veut pas intégrer. Il refuse d'intégrer jusqu'à maintenant. L'islam refuse alors qu'il est impossible. J'ai toujours dit, moi j'étais l'élève à la Sorbonne de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas a rendu la Torah qui est exprimitive.
un texte très primitif. Il a rendu la Torah un texte philosophique par excellence. C'est la lecture de Lévinas de la Torah élève la Torah jusqu'à une œuvre philosophique. Il n'y a pas de raison pour que l'islam, il y a des choses extraordinaires. Il y a des passages dans le Coran dignes d'être réfléchis par l'existentialisme d'Heidegger. Nous avons créé l'homme de l'empressement. C'est extraordinaire. C'est un texte philosophique, ça. Nous avons fait acte avec Adam, il a oublié. Et nous avons trouvé qu'il n'a aucune résolution. C'est un texte philosophique. Texte éminemment philosophique. Pourquoi ne pas donner sa chance à ce texte-là pour entrer dans l'université par le biais de la philosophie? Pourquoi la philosophie est toujours un coin où le penseur se cache, le penseur musulman se cache, comme s'il était un fugitif? Kendi, Farabi, Ibn Rushd, Ibn Sina, tous ont été pourchassés, comme s'ils faisaient un acte criminel. Ibn Muqaffa, celui qui a utilisé le premier le mot philosophie, ouais, dans Khalil al-Dibn, le premier qui a utilisé le mot philosophie dans la langue arabe, Baydab al-Faylasouf, le premier, et il est mort mutilé par le mensonge, rien que parce qu'il réfléchit. Merci beaucoup. Muy bien, pues muchísimas gracias al profesor Youssef Sedir. Ha sido realmente una lección, yo creo que para muchos, con grandes momentos que nos permiten ver, vamos a decir, lecturas del Corán iluminadas. Y también estas quizás trampas que existen en la lectura según los contextos pièges qui existent dans la lecture selon les différents contextes politiques, las ediciones que ha tenido selon les éditions, la forma de acomodarse, finalmente el orden de los factores sí altera, car finalement l'ordre des facteurs effectivement altère modifie le produit. Yo quisiera simplemente agradecer nuevamente a la Universidad Complutense de Madrid y a Mohamed Tahir y al departamento, bueno, al máster universitario en ciencias de las religiones de la misma universidad. Quisiera agradecer a los estudiantes que han estado siguiendo nuestro ciclo de aula árabe universitaria. Aula árabe universitaria, avec conférences, está siendo la última conférence, c'est celle-ci, et donc la dernière de cette période. Bueno, agradecer también, por supuesto, remercier las également intérpretes, le travail des cuya labor hoy ha sido particularmente delicada. Cette tâche, je sais qu'elle a été varias citas très délicate, avec plusieurs citations en arabe du Coran. Rosario, Romo y Ana Rospide, Rosario, gracias por Romo, vuestra labor. Y Ana Rospide, donc les interprètes. Voy a aprovechar merci simplemente para terminar con el profesor Sedir es especialista en Grecia antigua, además de antropología del Corán. Creo que corresponde ser humilde cuando escucha uno este tipo de conferencias, terminar con una cita de Sócrates que decía: yo solo sé que no sé nada. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et Karim, si tu me le permets, une minute, dit Mohamed Dahiri. Adelante, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Oui, merci, Karim. Un plaisir, sincèrement. C'est un plaisir d'avoir pu participer à cette conférence, avoir le professeur Sedik
parmi nous dans ce programme. Je pense que c'était effectivement une dette, ce que nous avions avec le professeur Sedic, car son travail n'est pas très connu en Espagne, car votre œuvre n'a pas été traduite en espagnol. Et nous avons souhaité approcher le docteur Sedic et son œuvre à nos élèves donc de ce programme Aula Árabe Universitaria. Donc, merci également à l'initiative de Casa Árabe. Merci à toute l'équipe de Casa Árabe qui travaille d'une façon très efficace. Nous avons pu le vérifier lors des différentes éditions de cette Aula Universitaria. Merci à Olivia, Karim, le directeur de Casa Árabe, Ruth. Merci donc à toutes les équipes qui collaborent avec donc ce programme. Et je remercie encore une fois donc l'équipe d'interprètes de son travail. Et remercie évidemment aussi la présence des étudiants qui nous accompagnent en provenance de l'Espagne, des Émirats arabes. Je vois qu'il y a même certains collègues de l'Amérique latine. Nous sommes très contents du résultat et nous considérons, comme a très bien dit Karim au début de cette conférence, que la pandémie est en train de finir. Et donc, à 7h06, les élèves ont peut-être envie d'aller sortir un tout petit peu. Mais de toute façon, je vous dis que cette conférence restera sur le canal YouTube de Casa Árabe. Et donc, vous pourrez l'écouter. Nous l'utiliserons comme matériel pour nos masters et pour les différents cours qui vont être organisés à l'avenir. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup de votre participation. Je m'excuse, mais M. Mohamed parle maintenant en arabe et je ne peux pas vous le traduire. Je m'excuse, je suis l'interprète. Merci. جامعات وبالبيت العربي بقرطبة والبيت العربي بمدريد وبطبيعة الحال باليمد ببرشلونة. شكرا مرة أخرى. Muchas gracias, Karim, Olivia. Merci, Youssef. À très bientôt. Merci à Karim, Olivia et toute l'équipe de Casa Árabe. Merci aux interprètes aussi. Merci à tous. Merci à vous. Merci à la traductrice. Très bien. À bientôt. Hasta la próxima. À bientôt, c'est Mohamed. À bientôt. Là, docteur, سنتواصل. يعني خذ بالك من نفسك. خذ بالك من نفسك. لا لا الحمد لله من كل شرف. خذ بالك من نفسك يعني. تحياتي لزوجتك الكريمة. تحياتي. مع السلامة. بارك الله فيك. مع السلامة.